On est toujours avec nos lettres d'alphabet. Donc là, on va passer à celui-là. Après avoir vu Assad. Donc, on va passer, ça c'est tout simplement Haddad. D'ailleurs, ce symbole qu'on va voir qui est tout simplement Haddad, c'est un symbole qui appartient à la langue arabe. On dit d'ailleurs que l'arabe est la langue du Dad. Al-Arabiyyatu lughatu Dad. Lughatu Haddad. Lughatu veut dire langue. Haddad, c'est Haddad. Donc, ok, donc Haddad, ça s'écrit comme ça. Donc ça, c'est notre ligne, c'est toujours notre ligne. On fait comme ça, et on ajoute, et il ne faut pas oublier le point. Tac, tac, point. Tac, tac, point. Tac, tac, point. Ok, donc là, on va combiner nos voyelles qu'on a pour obtenir différentes combinaisons. Donc, on va obtenir en effet. Je vais utiliser d'abord As-Sukun. Quand je vais utiliser As-Sukun, Haddad, comment ça se prononce? Ça se prononce tout simplement D. Notez que c'est différent bien du Dal que vous connaissez. C'est plus gonflé un petit peu. Do, do. C'est pas D, c'est D. C'est comme si vous avez encore la bouche pleine. C'est gonflé un petit peu, c'est pas comme le D de la langue française. Donc, ça, je vais tout simplement dire D. Donc, je dis D majuscule exprès. Je dis D majuscule et pas D minuscule. Je vais utiliser Al-Fatha, voilà. Al-Kasra et puis Ad-Dhamma. Al-Fatha, ça va devenir tout simplement Da. Al-Kasra, ça va devenir tout simplement Di. Je ne dis pas di, mais je dis di. Je dis bien di, al-dad, parce que d, ok. Et ça, c'est donc ça c'est da, ça c'est do, do, de, voilà, ça c'est do. Donc, prononcer maintenant, il faut en effet prononcer cela pour bien s'entraîner. Donc ça c'est da, di, do. D. Par exemple, Daoun. Par exemple, ok. On va voir des exemples après. Donc, Da, Di, Do, D. Da, Di, Do, D. Je répète. Donc, Da, Di, Do, D. Da, Di, Do, D. Da, Di, Do, D. Da, di, do, d. Il faut bien répéter avec moi. Donc, da, 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 da. De cette façon. Il ne faut pas dire da, parce que da, c'est celui-là. Ça, c'est da. Da, 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 da. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on dit, par exemple, dababun. On dit dababun, c'est pas dababun. Da ba da ba dababun, dababun. Par exemple, quand on utilise le dal, on dit par exemple dubabatun. On va voir ses significations après, ces symboles qu'on a ajoutés, etc. Donc dubabatun. Et on va après voir ce double dhamma que vous voyez ici. Ça après. Donc, da, di, do, d. J'espère que c'est simple. Di, 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 di. Do, 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 do. D, 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 d. Do, 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 do.